Chers internautes, je vous salue, mesdames et messieurs. Vous suivez votre émission préférée, La Maison de la Nature. Aujourd'hui, on ne va pas être trop long. Il y a longtemps que j'ai fait de la spiritualité, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir. Et en tout cas, par la grâce de Dieu, Dieu me donne la force et la chance. C'est une chance que Dieu donne de pouvoir aider les autres. Donc, il y a un monsieur qui est là, qui va faire son témoignage. Il m'a envoyé un vin ce matin, que je tiens dans la bouteille entre mes mains. Malheureusement, mes techniciens ne travaillent pas aujourd'hui, donc c'est moi-même qui suis en train de faire la vidéo en même temps que je suis en train de vous parler. Donc, c'est moi qui ai positionné la caméra pour pouvoir vous parler. Donc, si les images sont un peu tordues, ne voyez pas les images, mais voyez-tu plutôt la parole que je suis en train de vous dire, c'est ce qu'il faut écouter. Donc, voici, il m'a envoyé une bouteille de vin ce matin pour me dire merci. Et en tout cas, j'adore le vin. Quand chez nous, on est d'accord, quand tu reçois une bouteille de vin de la part de quelqu'un, c'est qu'il a de l'estime pour toi. Donc, il va expliquer comment il m'a connu et pourquoi il me donne cette bouteille de vin là pour que les auditeurs et les internautes qui suivent cette émission puissent vraiment comprendre pourquoi ce monsieur m'a donné cette bouteille de vin qu'on va boire ensemble tout à l'heure à la fin de l'émission. Quel que soit là où vous vous trouvez, vous allez boire un peu avec moi, on va déguster. Donc, présentez-vous, vous allez donner quand même votre prénom, comme c'est quelle confidentialité, donnez seulement le prénom. Je m'appelle Kwame. Comment j'ai connu l'homme de Dieu? Je l'ai connu à travers d'un ami. On vivait ensemble au Koweït. Il a marié ma petite sœur. Bon, c'est un jeune ami, moi je suis banlieue, comme il n'y a rien entre nous, à tout moment on se taquinait. En tout cas, je faisais mes petits contrats. Bien avant ça, je suis allé à l'école, j'ai mes diplômes, j'ai un BTS en gestion commerciale. Mais je suis orphelin de père et de mère. Je n'avais pas connu mon père, donc c'est son grand frère qui m'a mis à l'école. Je porte son nom. Ma mère est décédée très tôt. Donc, après mes études, je me débrouillais dans la société. Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon ami. C'était tellement dur, je lui ai demandé, ah vraiment, mon ami, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui peut m'aider? Il m'a demandé comment tu es déjà chrétien pour prier dans un musulman. J'ai dit, ok, je prie, mais c'est compliqué. En tout cas, si tu as quelqu'un qui peut me soutenir dans la prière, il faut le faire. Et ça, il m'a envoyé chez l'homme de Dieu. C'était une nuit même, la nuit là, il l'a appelé. Il se faisait tard, mais au moins il a décroché. Il a dit, ah, demain, il y a mon ami qui vient là-bas, comme ça, il a décrit. Je suis arrivé, il m'a dit de descendre à l'église Sainte-Rita. Je suis descendu, il a envoyé quelqu'un. Ils sont allés me chercher. Quand je suis venu, je lui ai expliqué mon problème. Il a dit, ok, c'est pas compliqué, c'est pas difficile, Dieu peut faire. En tout cas, il n'a pas caché. Il a dit, ah, c'est ton côté maternel qui fait le blocage. Ouais. Il a dit, il a bien insisté. Il dit, côté maternel. Mon père qui m'a élevé aussi, il vient du côté maternel. C'est que c'est lui alors. Il dit que tu es sûr, il dit que c'est ton côté maternel. Tu dois faire un traitement. Donc il a suivi tout ce qu'il a dit, il a fait le traitement, il m'a lavé, il a tout fait. En tout cas. Mais est-ce que quand je te faisais le traitement, sois sincère, est-ce que tu croyais? Je croyais pas. Le traitement était tellement simple, est-ce que tu croyais? Je ne croyais pas. J'ai même dit à mon ami, mais simple, l'eau, les trucs, il a mis dans l'eau là, ça va me donner, aller me laver à la maison. Nous, on partait chez les marabouts, on tuait pour les mêmes moutons même. Hein, on n'a pas eu de résultats. Hein, et puis bon, on va jusqu'à l'ouenté, on met des trucs sur nous comme ça. Et puis lui, simplement comme ça, il me dit, ah, mon gars, là, c'est qui est sûr, faut croire, ces résultats sont très lents, mais ça va aboutir. Donc, dans ça, je faisais mes contrats. Et il a dit quelque chose d'internaute qui est très important. Il a dit, ses résultats sont lents, mais ça va aboutir. Parce que celui-même qui t'a envoyé là, c'est comme ça que je l'ai traité aussi, jusqu'à il a pu construire. Voilà. On va venir dessus. Voilà. Donc, on y va. Voilà. Donc, il faisait mes contrats. J'étais là, pour moi, je l'appelais, comme il y a ça. Il me dit, mais Dieu, tu m'as blagué. Il me dit, mais c'est ton frère Baoulé. Mais moi, en tout cas, il ne m'a pas blagué, si tu veux, si tu as blagué. Ah, à un moment donné, tu as dit, celui qui t'a envoyé chez moi, tu lui as dit qu'il t'a blagué. Tu m'as blagué. J'aime ça, Seigneur le témoignage. Il me dit, mais lui, tu ne l'as pas blagué, mais moi, c'est mon frère Baoulé. Si c'est blague, c'est moi mon problème. Et lui, il sait que, en tout cas, tout ce qu'il fait, ça prend. Mais comme chacun a son âge derrière, à son aura, il dit que c'est pour moi qui est plus lent. Donc, de croire seulement. Donc j'étais là, il faisait des contrats. C'est six mois après, vous comprenez? Six mois après le traitement, pour les gens qui nous contactent, et puis parce qu'on est magicien, il faut quand même... Non, il y a des traitements selon l'aura. Et son frère lui a dit de croire, parce que son frère lui-même, là, il était dans les difficultés, puis il est venu. Et ça après, et je vous ai dit dans mes vidéos que les témoignages, c'est pas les quoi, c'est quand tu fais pour un, et puis les satisfaire, l'avoir quelqu'un d'autre là, c'est le meilleur témoignage. Allons mon frère. Et c'est six mois après le traitement. Mon oncle m'appelle, il me dit, ah, petit, vraiment,
Ton grand-père qui est ici, je préfère taire son nom. Dans le cas, sa partie là, son chat qui est ici là. Il sait que tu es orphelin de père et de mère. Tu n'as pas connu ta maman. Bah, ton père, ta maman, elle est décédée très tôt. Mais le petit frère. Continue, je veux pas la caméra, continue. Ok, le dernier là, il a dit, ah, comme il n'a pas fait d'enfant, s'il n'est plus en vie, son héritage là, ça vous appartient. Que faut faire tout possible, tu vas venir cette année là, je vais te donner le champ. Il... Attends, le champ, c'est quel côté? Côté maternel? Attends, c'est l'héritage, c'était pour toi, je vais te remettre. Mais il voulait pas, depuis 12 ans, je vais te remettre l'héritage de tes parents. Mais les parents ont bloqué, ils ne voulaient pas te donner l'héritage. Et c'est 6 mois après le traitement ici, qu'eux-mêmes t'ont appelé pour te dire que, ah, viens, prends ce que t'appartient, c'est ça? Oui. D'accord, on y va. Voilà, t'as dit, quand les tutos et moi, ça fait 12 ans, ils m'ont oublié. Les gens viennent les voir. Il était dans l'oubli total. Total. Ils m'ont oublié, même je pleurais partout. Souvent, mais ils versent l'eau à terre et je dis à ma maman, si c'est comme ça, qu'elle vienne me chercher. Il était tellement désespéré. Ce garçon, ça ne va pas. Seigneur. On est trois seulement, on a perdu notre grand soeur, c'est ma petite soeur et moi qui restons. Donc, c'est compliqué. Quand il m'a appelé, Dieu, sincèrement, j'ai pleuré. Il m'a appelé le 22 juin. C'est pas si bien mardi ou bien mercredi là. Six mois après le traitement. Six mois après. J'ai pleuré jusqu'à. Il m'a dit, il faut faire tout possible, tu vas venir. En tout cas, il me mettait la pression. Il dit, mais attends. J'ai rencontré un monsieur qui m'avait dit que sincèrement, c'est le côté maternel. Pas c'est le côté maternel aussi qui vient de m'appeler là. Donc, ce que je vais faire, je vais l'appeler voir. Là, je l'ai appelé. Il dit, ah, il est là. Quand je suis venu. En tout cas, il ne m'a pas caché. Il parle de moi, hein? Oui. Ah, c'est de moi, il parle. Il m'a appelé, je lui ai dit qu'il était là parce qu'on a déjà fait les traitements. Ah, d'accord, on y va. Quand je suis venu, en tout cas, j'ai dit à l'homme de Dieu, ah, vraiment, j'étais venu ici une fois. Vous m'avez dit que non, c'est le côté maternel qui fait le blocage. Puis voilà, on vient de m'appeler pour cette histoire d'héritage, un chant comme ça. Il m'a dit, ok, tu as bien fait de venir ici. Sinon, vraiment, mon petit, mon frère, je vais te préparer, je vais te blinder. Avant de partir. Parce que je ne te coupe pas la parole. On ne se lève pas comme ça, comme je l'ai dit dans la vidéo, pour aller lutter héritage. Parce que héritage, depuis combien d'années, les gens ont mis la main dessus, ils ont exploité, ils savent qu'il y a de l'argent là-bas, ils savent que le champ produit, ils savent qu'ils s'en sortent avec. Et puis un matin, tu te lèves comme ça, si tu n'es pas fort, si tu n'as pas quelqu'un de bien pour te préparer, tu restes dedans. C'est pour ça que je lui ai dit qu'il fallait qu'on lui fasse une préparation spirituelle. On y va. Donc, c'est ça, il a appelé mon ami en question, qui a fait que j'ai connu le monsieur. Il m'a dit, ah, mon gars là, ce qu'il te demande de faire, faut faire. Il dit, ok, moi je ne discute plus parce que je suis en train de voir la vérité. Au départ, tu doutais. Moi-même, un jour, tu étais venu ici, j'ai senti que tu doutais, il était remonté le moral. Il t'a dit, ah, ça va aller, mon frère. Bah, il a senti que tu n'étais pas trop ça. Non. Parce que le traitement, c'était comment? C'était aussi simple. Simple. Il me disait, l'eau, c'est vraiment là. Ailleurs, tu es mouton. Si c'est pas là, on a tué mouton. Trop mouton. D'accord, on y va. Donc, c'est ça, je suis venu. L'homme de Dieu, il a prié pour moi, il m'a blindé, il a tout fait pour moi. Il m'a même montré un jour, il m'a dit de partir le verset. Ça tombait lundi. J'ai discuté avec lui. Oui, quand il t'a dit d'aller le verset ce jour-là, tu as dit que tu voulais aller. Il dit ok, ok. Voilà. Parce que souvent, il est bien de nous laisser faire. Mais les gens qui nous contactent, souvent eux-mêmes veulent faire des choses. Attends, nous, on voit dans le monde spirituel. Bon, on y va. J'ai discuté avec lui. Lui aussi, il n'a rien dit. Il dit ah, ok, il faut partir. Mais quand je suis arrivé à la maison, dans mes prières, quand j'ai fait mes programmes de voyage là, ça tombe 1,25. Je décale, je fais tout, ça tombe 1,25. Même quand j'appelle mon autre, quand il fait prier aussi, ça tombe 1,25. C'est ça, il dit, ah, je vais revenir lui dire ça. C'est ça, je suis revenu, lui a dit, ah, sincèrement, on m'avait dit de partir 1,25. Sincèrement, c'est 1,25, je vais partir. Parce que quand j'ai fait mes programmes, ça tombe 1,25. En tout cas, il a souri et puis il m'a répondu, il dit, mais c'est comme ça, oh. Nous, on voit. Et puis on vous dit, mais on ne veut pas discuter. Ah, on ne discute pas, on ne force pas. On vous laisse faire. Donc, il a repris encore la prière, même il m'a blindé, même il a doublé même la prière. J'ai fait ce qu'on appelle la protection triangulaire et j'ai fait un blindage pour ne pas qu'on puisse avoir accès à son âme. Et c'est cette protection que j'ai fait pour lui. On y va. Donc, c'est ça, je suis parti. Est-ce que je t'ai donné une amulette? Non, non, non. Est-ce que je t'ai donné une bague? Non, non, non. Est-ce que je t'ai donné un canari? Non, non, non. Est-ce qu'il te donnait un petit bout de papier pour mettre dans ton portefeuille? Non, non, non. J'ai fait qu'une prière ici. Une prière. Une prière sur toi ici, que je peux même faire à distance. Voilà. Et puis je te dis, il faut partir, tu es blindé. Voilà. Et quand tu partais, est-ce que tu croyais? Puisque je t'ai rien donné, non, tu es venu, tu partais affronter les sorciers, et puis tu es venu, je t'ai rien donné, je n'ai fait que prier pour toi, avec une pierre que j'ai mise devant toi, j'ai fait des prières. Est-ce que tu croyais? Mon cœur balançait. Ton cœur, je crois. Au début, je croyais parce que
ça a commencé à souffrir. Mais la prière, il dit, ah, c'est prier comme ça là. Est-ce que quand il est parti là, ils vont pas m'avoir? En tout cas, je doutais. Je doutais toujours, sincèrement. Donc, quand je suis arrivé, en tout cas, tout se passait bien dans le début parce que je voulais évoquer ça. Mon oncle a dit, ah, d'attendre, comme c'est la période des traites là. Il allait lutter son héritage, hein. Il allait prendre l'héritage dans la main de sa tante, la soeur à sa maman, qui avait bloqué l'héritage du petit. Les parents sont décédés, ce qu'ils lui ont laissé. La soeur de sa maman a mis bras dessus. Depuis plusieurs années, donc là, 12 ans. C'est là 12 ans après, depuis 12 ans, donc là, il était venu chez moi ici, après le traitement, ils l'ont appelé pour lui dire de venir pour récupérer son état. Son oncle était au village, qui n'était pas aussi trop d'accord dans le temps, mais son oncle a été d'accord cette fois-ci, Dieu l'a touché et l'oncle est devenu. Et c'est en partant, affronter l'attente qu'il est venu maintenant pour la protection après le traitement des ouvertures. Donc on y va maintenant. Donc quand je suis parti, mon oncle dit, ah, comme c'est la traite, d'attendre, en tout cas, ils passaient, ils ont produit, ils ont pompé les champs, ils ont pulvérisé, ils ont mis engrais. Ils vont prendre leur argent là. Maintenant, après janvier, on va évoquer le problème. Donc, on a attendu. On était là jusqu'à. J'ai appelé l'homme de Dieu même. Parce que dès que le petit, il m'a vu mettre. En tout cas, dans les ondes là, les gens lui ont dit, ah, lui qui est venu là, il est venu pour tel problème. Parce que mon oncle avait déjà parlé ça à certaines personnes. Donc, eux aussi, dans ils les ondes. Voilà. Donc, dans ça, il s'est levé, lui et puis sa femme, sa deuxième femme, ils sont allés voir les marabouts. Fais pour faire. Aïe. J'ai appelé l'homme de Dieu, il m'a dit, mon frère, reste tranquille. Toi, reste tranquille. Reste tranquille. Aïe. Plaida qui est fait pour toi ici, là. Voilà. Il a répété la même chose. Oh. Il a dit, plaida qui est fait pour toi, là. Ah, faut rester tranquille. Il ne peut pas prendre Jésus.